Ok les enfants, est-ce que ça vous dit d'aller au nouveau magasin de jouets? Vous avez le droit de choisir un jouet chacun. Oui, trop bien. Allons-y. Allons-y, c'est parti pour le magasin de jouets. Mettez vos chaussures, on s'en va en balade. Il faut traverser la rivière et passer la colline. Combien de temps ça va prendre? On est trop excités. Est-ce que c'est encore long? On y arrive bientôt. Hé, hey, regarde, le train... Regardez, regardez, le train va passer. Regardez dans les wagons, ce sont des animaux. Wow, il y a des vaches et des moutons. Regarde, bébé Louis. Oui, et des cochons aussi. Coin, coin. Oui. Ces gros bateaux. Et regarde, il y a des petits aussi. Oui. Allons-y, c'est parti pour le magasin de jouets. Hourra, hourra, on s'en va en balade. Il faut traverser la rivière et passer la colline. Combien de temps on va mettre? On est trop excités. Est-ce que c'est encore long? Oui, nous y sommes bientôt. Oui, bébé Louis, regarde cette colline. Attention, on grimpe la grosse colline. Regardez autour, notre jolie ville. Regardez, c'est ici. Oui. Regarde, des cerfs-volants, ils volent super haut. Waouh, regarde ces jolies couleurs. Léa, bébé Louis, regardez. Le magasin de crème glacée et un magasin de déguisement. À gauche, à droite, il y a tant de choses à voir. Mais regardez le magasin de jouets. Ok bébé Louis, allons voir ce train. J'ai pris un cerf-volant. Il ressemble à une fusée. Moi je vais faire des jolis dessins. Meilleurs astronautes. Vous êtes prêts pour la prochaine mission? Allez explorer la fusée. Oui.
Nous sommes des vrais explorateurs. Nous sommes une belle et grande équipe. Tant de choses à faire et à voir. Ne courez pas, ces astronautes sont très rapides. Devenons tous des astronautes pour conduire des fusées. Prochaine mission, les astronautes. Êtes-vous prêts à décoller? Oui, on est prêts! De manger tes légumes. Est-ce que tu es sûre? Les légumes te donnent beaucoup de force. Miam, miam, les légumes. Oh, les bons épinards. Ils vont me rendre fort. J'ai mangé mes épinards. Ils sont vraiment bons. Ils vont me rendre fort. Je suis un super héros. J'ai des super pouvoirs. Je suis vraiment fort. Comme un super héros, les légumes me rendent très fort. Miam, miam, les légumes, oui, les bonnes carottes, elles me rendront grand et fort. Me rendront grand et fort. Je suis un super héros, j'ai des super pouvoirs. Maintenant je peux tout voir. Les légumes me donnent des forces comme un super héros. Les légumes me rendent très fort. C'est trop bon, elle me rendra grand et fort. J'ai mangé toute ma couche, c'est vraiment délicieux. Elle me rendra grand et fort. Les légumes me donnent des forces comme un super héros. Les légumes me font vraiment sentir bien. Grâce à ces légumes, je ne serai plus malade. Je me sens vraiment plein d'énergie. Grand et fort. J'ai mangé toutes les betteraves, c'est vraiment trop bon. Elle me rendra grand et fort. Les légumes me donnent des forces comme un super héros. Je peux courir vraiment vite. Les légumes me donnent des forces comme un super héros. Et je suis le plus rapide.
me rendront grand et fort. Les brocolis m'aident beaucoup à mieux réfléchir. Ça me rend plus intelligent. Je suis une super héros, je sais résoudre un puzzle. Les légumes m'aident tellement à réfléchir. J'aurai un super ami avec mes super pouvoirs. Les légumes me rendent intelligent. Quand tu as soif, tu peux boire de l'eau. Et quand tu as fait du sport, le meilleur remède est l'eau. C'est bon pour ta santé, bois de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les accidents n'arrivent pas? Laver le sang.
ça arrive tous les jours. Tu peux avoir un accident tous les jours. Je suis tombée du tabouret. Je voulais juste monter. Tu as eu un accident, mais tout va bien. Nous sommes tout le temps là pour vous. Et quand vous tombez, que devez-vous faire? Le dire à papa ou à maman. Que pouvons-nous faire pour éviter les accidents? Demandez de l'aide. Des petits bobos, des petits bobos, ça arrive tous les jours. Tu peux avoir un accident tous les jours. J'ai trébuché sur le jouet. J'ai très mal à la tête. Tu as eu un accident. Nous sommes là, ne pleure pas. Si tu fais un faux pas, que devrais-tu faire? Le dire à maman ou à papa. Que pouvons-nous faire pour éviter les accidents? Ranger les jouets. Des petits bobos, des petits bobos, ça arrive tous les jours. Tu peux avoir un accident tous les jours. Oh, je me suis coupé le doigt avec ce grand couteau-là. Tu as eu un accident. Attends, va chercher papa. Si tu as une coupure, que devrais-tu faire? Le dire à maman ou à papa. Que pouvons-nous faire pour éviter les accidents? Ne rien toucher de coupant.